Bon, des blousailles pété entre Edmond Boschit avec Claude Joseph après gouvernement américain fin découvrir tous les deux et monsieur yo gen lien avec un gros stratagème, un gros corruption, voler l'argent passeport dans ambassade notamment pays d'Haïti à Washington côté tous les deux monsieur yo youn tombé accusé l'autre. C'est un article en Miami Herald qui mettait majorité kakachat de yo. Haïti est révoqué ambassadeur li dans pays États-Unis qui c'est Edmond Boschit après une enquête que gouvernement américain mené de concert avec un gouvernement haïtien sur un stratagème corruption dans ambassade li dans pays États-Unis précisément dans ville Washington. Un stratagème ça li impliqué livraison illégal passeport, c'est ça que un gouvernement haïtien confirmé by Miami Herald, décision pour révoquer Edmond Boschit et puis faire le retourner entre Haïti et Bridsoukou pendant semaine ça. Si yo prenni mercredi dernier, c'est premier ministre Ariel Henry et roi Ari Black Ariel qui prend décision ça côté Lip semblait pas de le choix pour te et fait Edmond Boschit quitter États-Unis et retourner Haïti. Et Ariel Henry voyait une mission évaluation dans l'ambassade Haïti à Washington mois passé après et autorité américaine et mettait gros pression sur haïtien et côté te allégation qui t'a fait connaître que employé ambassade là qui peut déjà fait plusieurs passeport pour haïtiens qui a vivent en dehors États-Unis et puis qui est facturé et pot de vin, ça veut dire comme imbattable pour accélérer et processus ça qui pas légal. Et Edmond Boschit qui pas répond demande que Miami Herald a fait pour commenter accusation ça yo monsieur li dit que le pas gagné pour ça dans une déclaration li publié sur internet jeudi passé a li qualifié allégation ça yo que au poté contre lui même yo de et bagaille qui pas campé sur rien. Au contraire, c'est là-bas qu'elle a parlé intéressant. Edmond Boschit longe douette sous ancien patron dans le ministère des Affaires étrangères, qui c'est Claude Joseph, qui lui-même était à la fois premier ministre et ministre des Affaires étrangères pendant un temps sous le mandat défunt président Jovenel Moïse. Claude Joseph, bon côté pâle, qui fait qu'on est, l'été apprendre que tu as gagné accusation corruption en ambassade là. L'été mandé pour ministère affaires étrangères t'es mené une enquête à l'époque corruption et corruption ça qui paraît pour première fois pendant que Claude Joseph était aux commandes ministère affaires étrangères en juin 2021 un mois avant assassinat Jovenel Moïse douanier américain yo t'es intercepté ou t'es saisi plusieurs enveloppes qui t'étaient là-dedans yo 400 demandes de passeport ressortissants haïtiens qui a vivent dans le pays Chili et te gagne un total de $50,000 américains dans Colisa. Colia, c'est agence de transport de courrier qui est les FedEx qui t'a porté li. Tendez bien, mesdames, messieurs, adresse livraison qui était sous Colisa, qui était sorti Chili avec 400 demandes de passeport plus $50,000 américains. Étrangement, Colia, li pat allé, adresse qui soulia, c'est pas adresse consulat Haïti à Washington, mais c'était plutôt adresse personnelle, adresse privée, Youmoun Krele, Gélorme, juste, qui c'est cousin Claude Joseph, c'est lui-même qui était consul en chef ambassade Haïti à Washington. Ma pour reprendre partie ça pour nous. Les douaniers américains yo saisi enveloppe ça qui te gagne 400 demandes de passeport Chili qui sorti de haïtiens qui vivent Chili donc qui sorti dans ambassade Haïti Chili te gagne $50,000 américains dans enveloppe là. Adresse qui était sur enveloppe là, c'est pas adresse ambassade ni consulat Haïti à Washington, mais c'était de préférence adresse yon cousin Claude Joseph qui à l'époque était responsable consulat Haïti à Washington. Yon document douanier yo avec protection frontière États-Unis partagé avec Miami Herald montre par exemple après que agent ont fini saisi plusieurs colis. Yo te voyé yon lettre by cousin Claude Joseph là qui signe juste le 18 août 2021. Yo te informé que yo te intercepté document sa yo avec yon chèque de banque $10,200 américains qui te adressé à adresse la Kylie à Maryland. Colia saisi,
C'est ça que douaniers américains ont déclaré, parce que il y a une tentative qui était faite pour passer contrebande ou bien importer clandestinement instruments monétaires sans pas déclarer ou bien faire faux déclaration et sous valeur ou bien sous exactement ça que dans l'enveloppe yo by expéditeur. Pendant temps ça, autorité américaine ont été informée et haïtien dit mais ça qui a passé. Yo t'ai lancé propre enquête par eux sur livraison passeport ça. Allégation ça qui t'ai fait connait que bureau t'ai un bureau parallèle ambassade Haïti à Washington qui t'a bail passeport officiel sans contrôle gouvernement haïtien, il t'ai confirmé par la suite un rapport 40 pages ministère affaires étrangères t'ai fait après enquête ça dans mois août 2021. Rapport là que Miami a gagné une copie t'ai exposé plein qui t'ai gagné côté que cousin Claude Joseph là qui est juste lui c'était chef section consulaire là j'en ai dit tout à l'heure monsieur pas agi pour compte lui enquêteur yo déclaré que plusieurs monde qui ont été interrogés étaient impliqués Edmond Bouchit avec l'autre monde parmi yo yon seul ambassadeur Edmond Bouchit qui relait et Bettina Edmond l'été yon acte yon acte illimité selon rapport dans unité fabrication passeport là, moi c'était qu'on a accès illimité d'un côté au fabriquer passeport yo dans ambassade Haïti à Washington. D'ailleurs, moi c'était qu'on présent dans ambassade là tout jour dans semaine là, jeudi même pour arriver dimanche, alors que à un certain moment, il va même travailler dans ambassade là encore. Bettina Edmond, l'ifel selon rapport sous regard complice ambassadeur Edmond Bouchit, frère qui semblait pas faire rien. Rapport moi août là li conclut que unité production passeport dans l'ambassade d'Haïti Washington li semblé avec une entreprise individuelle OK côté fonctionnement largement lié avec influence position et copinage plus que toute bagaille et trafic pouvoir et puis l'argent qui était ouvri voie attendez bien qui était ouvri voie pour trafic influence et tirage chantage essentiellement tirage stratagème corruption probablement très bien exploité. C'est ça que l'enquête là t'a révélé. Un responsable gouvernement américain déclaré jeudi by Miami Herald, administration Biden nan li au courant de toute allégation ça yo qui impliquait ambassade Haïti et puis ambassadeur Edmond Bouchit, ambassadeur PIA qui lui-même t'ai préformation dans université Oxford qui t'ai fin pas nommé et ministre affaires étrangères ambassadeur Haïti à Washington par Jovenel Moïse avant assassinat en 2021. Un rapport enquête gouvernement haïtien déterminé que ambassadeur Bouchit Edmond seul là et Bettina Edmond yon agent consulaire accrédité dans consulat général Haïti à New York ainsi que l'autre membre dans mission diplomatique haïtienne nan plaidé fait passeport sans autorisation légale gouvernement haïtien et ça que porte-parole et gouvernement américain déclaré question suivie sous corruption qui te transmet by ministère la justice pays États-Unis qui a travaillé sur ça mais les Miami Herald contacté ministère la justice et bureau extérieur FBI yo pas fait aucun commentaire raison qui fait États-Unis préoccupé le fait que Haïti gagne un trafic influence corruption qu'il y a passeport en ambassade li article là expliqué selon ça rejoint de certaines sources Américains semblaient considérer ça qu'a fait l'ambassade Haïti à Washington nan tant qu'une menace pour sécurité nationale. Dans une note, gouvernement américain envoyé par le ministère affaires étrangères Haïti, États-Unis bay Haïti 3 semaines pour y régler problème nan. Et ont même fourni Haïti une date limite pour Bouchit quitter pays yo, bien que découverte demande passeport paiement en espèces et non déclaré que vous voyez par la poste en guise que vous voyez par yon valise diplomatique obligé Ariel Henry révoquer Edmond Bouchit OK et c'est pas dernier moun y a révoqué selon Miami Herald sous gouvernemental haïtienne qui parle avec Miami Herald là qui parle anonymement pour capable gain plus liberté pour parler sur dossier ça li fait connait que gain transfert qui pral vini en raison de corruption ça en plus que des dizaines de diplomates haïtiens qui basé aux États-Unis département d'État pral obligé et mandé gouvernement haïtien pour rappeler parce que bagay arrivé trop loin département d'État américain récemment fourni by Haïti avec l'autre mission étrangère yo une liste diplomate qui gain accréditation presque fini
suite à la mise en œuvre de une politique d'accréditation seulement pour 5 ans membres et missions étrangères bilatérales et un délai de grâce de 2 ans. Haïti a 41 membres dans mission là, consul général, etc. qui pral quitter États-Unis d'ici fin été qu'a vini là. Jeudi passé, Edmond Bouchit avec Claude Joseph, youn a accusé l'autre que c'est eux-mêmes qui responsable stratagème ça. Non, c'est pas moi, c'est lui-même. Donc bagala mélangé entre Bouchit avec Claude Joseph sous question ça parce que depuis département d'État, depuis département justice FBI, il y a problème. Et article là continué pour dire Bouchit dans déclaration là déclaré, il est venu un bouc émissaire. Dans dossier corruption ça qui impliquait cousin Claude Joseph là avec l'autre employé qui t'a collecté pot de vin pour traiter demande ressortissant ici qui a vivre à l'étranger. Corruption qui impliquait également employé qui créait agence payo en dehors des ambassades là pour faire l'argent. C'est un bagage qui tout le monde connaît. M'pas jamais gain aucun contrôle sur j'ai l'homme juste qui était traité directement avec cousin donc Claude Joseph qui était ministre à l'époque, c'est ça que Bouchit déclarait. Joseph bon côté parle, Claude Joseph déclarait, il était révoqué sans aucune hésitation pour implication dans le scandale sa cousin là. Elle t'a demandé, lui accusé Ariel Henry, le fait que la protéger Bouchit de bon qui selon lui-même souvent vanté tête de relation bien avec premier ministre là. Claude Joseph déclarait tout qu'elle t'aurait mettre document enquête là by Ariel Henry en août 2021. Porte-parole Ariel Henry, qui n'a pas aucun lien avec ancien premier ministre, déclarait que Claude Joseph te remet rapport à vrai, mais c'était by département d'État américain, c'est pas by eux-mêmes. D'ailleurs, porte-parole Ariel Henry a expliqué, c'est ça qui la cause gouvernement pas de jambe et capable d'avancer parce que rapport qui n'a pas de jambe dans même c'est américain. Claude Joseph te by rapport là. Nous nier tout ça que Claude Joseph dit sous dossier ça, c'est ça que porte-parole Ariel Henry a déclaré. Donc, mes bagailles là, m'pap long pour m'fini. Ça qui pi choquant nan bagay ça, nous tande Claude Joseph gen cousin ka vole ko passeport haïtien ki Chili, ki tout côté, étrangement même haïtien ki victime ça au Chili, un peu partout ki pa ka un passeport. C'est eux même qui piche chaud sur internet là, cap défendre Claude Joseph de vous citer non. Nous c'est ou bonne honte, nous pas moun. Nous c'est ou bonne honte parce que majorité dans nous c'est volé en suspens que nous y parce que you n'a pas goûté rien. Oui, sous dans place, tu as fait un bagarre là tout. Non, si dans place, il pas fait un bagarre là parce que pas qu'on volé. En pile haïtien, pas tout qui à l'étranger majoritairement qui souvent défendre Claude Joseph, qui voulait aider mais c'est tête lié avec famille là aider. En pile là-dedans, c'est eux-mêmes qui pas qu'à faire one pot, yo pas qu'à voyager, pas qu'à faire parce que par exemple, un passeport que tu payé pour l'IA, alors que Claude Joseph, un cousin, doit être long qu'il mettait, et c'est pas grand monde qui mettait, c'est surtout sous règne Claude Joseph, que diplomatie haïtienne vient pourrir avec voler comme ça, t'es toujours gain. Ou pas, nous, un paquet là, qui va venir baver, japper, tant que tous, en bas vidéo ça, quand dit, mon cher, bah, vous avez Claude Joseph, sur votre problème personnel, nous voler, nous gang, nous sans honte, Haïti, pourquoi qu'à délivrer, même les l'autre bord, c'est même nous, qui va l'envoyer balle avec Zamba écraser Haïti, parce que nous sommes bons volés. Doit être long, nous aimer voler, nous avons sensation pour voler, parce que, par un nous, majorité là-dedans, c'était des monde honnête qui aurait dit, pour élever nous. Mais quand pile là-dedans, on va dire pour faire élevage nous parce que c'est bête nous, c'est pas moun. C'est élevage nous par un autre effet. Donc, son dossier compliqué, il n'a pas accusé l'autre. Bien évidemment, d'après moi, je pense que il n'est pas innocent. Mais il n'est pas coupable. Pour contre, cousin, ce bagala très grave. A bientôt, mesdames, messieurs, sous dossier ça, sous page ça, Midi Pierre Richard, Facebook, sous channel Pierre Richard Midi, YouTube, pour l'autre dossier, mais surtout pour suite dossier ça, parce que bagala, pour qu'on a fini, l'agent passeport haïtien qui est à l'étranger, pas qu'à venir passeport, Kobio a passé à la caille cousin Ticlo directement, en guise que l'aller dans l'ambassade là, dans le consulat.